80. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça va. Il a du chocolat. C'était pour dire que les pâtes se passaient très bien. Allez, c'est parti, les amis, c'est reparti. Des pâtes sucrées, des pâtes sucrées. El pasta y amor. Les pastas, ça se passe comment? C'est très simple. Il nous faut de la farine. Tac, tac, tac. La bonne farine. Farine, chaîne de curieux. Ah ben, graine de curieux. Eh ben, v'là un curieux. Si vous travaillez à l'AFSCA, ne venez pas ici. Hein, alors, ensuite, bien entendu, du cacao. C'est normal. Sucre impalpable. Sucre impalpable, c'est un sucre fin. Farine, cacao, sucre, des œufs, d'accord? Première chose à faire avant de faire les pâtes, c'est de préchauffer notre eau. Attention, moi je fais pas n'importe laquelle eau. C'est pas une eau salée, c'est une eau sucrée. Voilà! Bouge-toi un peu, toi. Hop. Alors, donc il nous faut une eau sucrée. Et pour sucrer une eau, il faut la sucrée. Donc, nous sucrons. Pendant que tout ça se fait... Mais bouge-toi. Pardon. Sorry. Laissez-moi travailler. Maintenant, on va faire notre pâte. Et alors ici, les règles d'hygiène, comme j'ai déjà répété, c'est très important. Pas de cuillère, pas de fourchette, pas de cuillère en bois, rien. Faut avec les mains. Voilà. Alors, pour respecter les proportions, c'est pas très compliqué. Il y a une solution, c'est d'avoir la recette. Comment avoir la recette? J'ai acheté mon premier livre. Hop. Il m'a cherché. Ils vont avoir. Non, c'est Gary qui a la bonne réponse. Bonne réponse de Gary. 80. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais ça va. Il a du chocolat. C'était pour dire que les pâtes se passaient très bien. Vraiment dégueulasse, mais dégage. Oh. Voilà. Oh, les gens travaillent. Ça va, salut toi, ça va? C'est avec ça que t'as eu ton étoile Michelin, là? Tu te moques? Tu te moques de moi, là? Non, c'est pas tout ça, moi je reviens tout à l'heure. Comme ça, tu viens deux secondes. En fait, tu veux juste me montrer à l'image. Kevin! Kevin! Revenons à nos pattes. Voilà. Et ensuite, on tourne. On tourne. On tourne. Et le talent, c'est comment qu'on voit le talent? C'est parce qu'on a une pâte au cacao. Ici, on a mis du cacao. Pour des pâtes traditionnelles, bien entendu, c'est pas la même recette. Non. On met que de la farine et que des jaunes d'œufs. Ici, on a mis les œufs entiers. Pourquoi on a mis les œufs entiers? Parce que comme le cacao est très sec, eh bien justement, ça va amener un peu de mouillage, j'ai envie de dire. Ça se dit mouillage, en fait. Mais t'es vraiment qu'un pouf. Ah, mais... Mais voilà. Viens près de moi. Viens, je vais te montrer des pâtes. Des pâtes, mon petit monsieur. Ça, c'est italien, ça. J'ai un coup de fil de l'ambassade italienne, du consulat. Ils ont dit que t'as pas à faire des pâtes au cacao, ni à la cassonade. J'ai envie de dire, monsieur Miraglia, c'est pas très compliqué. Vous savez, chacun a son métier. Je vais te faire gagner du temps, oui. Je vais te faire gagner de l'argent et je vais te faire gagner de la crédibilité. Tiens, des raviolis en boîte à sauce tomate. Bon appétit, Julien Labraille. Ça coûte 2,40€. Et c'est un petit peu meilleur que tes pâtes au chocolat. Et bonne journée, hein. Je t'embrasse. Ciao. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une pâte, c'est pas grave, tenez. Du 13, du terroir, du jardin, hashtag de cuisine locale. Et bien, on va les disposer comme ça. Sur nos pâtes cacao, accompagnées d'une pomme. Et alors, une petite marmelade comme ça, pour amener beaucoup de caractère. Notre eau sucrée. Ah, regardez, cette belle petite couleur. C'est beau ça, non? Ouh, c'est beau. Hop. On prend une assiette. Pour ne pas citer Julien Labraille. Voilà. Petite marmelade d'orange, comme ça. Regardez-moi ça. Ça. Regardez. Regarde, voilà, tac, 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 tac. Voilà, regarde tes petites fraises. Ah, c'est ça la nouvelle assiette? Et alors? Ouais. Baisse la caméra. Arrête avec ton couteau. Alors, tu baisses la caméra. Ah, on nous attend, c'est à nous. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vais au combat. Au revoir. Et à la semaine prochaine sur Radio Contact. Radio Contact. Hein? T'as pris de la marmelade? Prends de la marmelade. Eh. Franchement, c'est délicieux. Eh, c'est pas mal. Franchement, eh. 9,5 sur 10. Hein. Ah!